Mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Bani? Sois prudente. On dirait que ça te fait plaisir de me faire peur. Si un jour je devais t'oublier, ce serait le dernier jour de ma vie. Bani! Encore ce même rêve. Quoi? Eh ben alors, mon cher Akbir, achètes-tu une mandarine? Ne demandais pas, mais tu le criais. Exactement. Attends-moi. Allez, dis-nous qui c'était. Je veux dire, qui elle est. Allez, dis-nous. Allez, dis-nous qui c'était. Non. Allez, ne dis rien. Dis-le-nous. Surtout, ne leur dis rien, Akbir. Et s'ils continuent de te harceler, tu leur diras que c'est notre voisine, tu vois. Tais-toi, ma tante est là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais je n'ai rien dit de mal, hein. Ragbir, tu te maries aujourd'hui, alors pas de travail, hein? Pas de travail aujourd'hui, compris? Écoute, Ragbir, la masseuse sera là dans une heure. Priya, t'es pas sérieuse, masseuse, bien vraiment. Sûr. Bon, d'accord, oublions le massage. Je sais, Ragbir, écoute. Écoute-moi, fais une pédicure. Et pourquoi ne pas me commander un tutu rose aussi? Mais attends. Écoute-moi, Ragbir. Écoute-moi ce que j'ai à te dire. Écoute-moi, Ragbir, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a, Nakul? Ignore ce qu'elles disent, mais écoute au moins la chanson que je vais interpréter ce soir à ton mari. Dis donc, dis-moi, qui t'a donné la permission de chanter à son mariage? Sors de là. Qu'est-ce que c'est? Tu vas gâter Nakul davantage si tu le laisses faire. Il sait très bien que je ne peux jamais rien lui refuser, tu vois. C'est pour cette raison qu'il tire toujours au-dessus de ton épaule. Au moins, moi, je ne lui tire pas dessus. Dis donc, viens là, imbécile. Tu veux chanter à son mariage, hein? Viens là. Papa, voyons. La différence entre Nakul et toi, c'est que lui grandira. Pardon, monsieur. Bonjour, monsieur. Monsieur, la presse n'arrête pas de me harceler. Ils disent que vous êtes le plus jeune homme d'affaires accompli qui soit. Et puisque vous vous mariez, ils aimeraient vous interviewer. Que dois-je leur dire, monsieur? Trois mots. Du balai. Oui, Micha. J'ai deux dossiers qui sont restés dans la voiture et ils sont très importants. Bébé, on se marie aujourd'hui. C'est notre mariage. Tu t'imagines? Non, j'arrive pas à l'imaginer. C'est un miracle, pas vrai? Ce que tu fais n'est pas bien. Tu te maries avec Micha, alors accorde-lui un peu d'attention, enfin, Ragbir. C'est vrai, elle est si adorable. Oh, mon garçon! Tu sais quoi, fiston? C'est une jeune femme cultivée. Et en plus, elle est riche. Tu sais quoi? Elle a 50 000 fans sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Et c'est uniquement pour ça que je l'épouse, pas vrai? Fiston, nous connaissons tous parfaitement la raison pour laquelle tu l'épouses. C'est sa meilleure amie et il la connaît très bien. Oui, elle me connaît très bien aussi. Il y a simplement une chose que je n'ai jamais, du temps. Écoute, Deep, je te l'ai dit 1000 fois de garder ton téléphone éteint pendant les prières du matin. Je n'ai aucune envie d'écouter ton drame avant que mon chant de dévotion ne commence. Éteins ce téléphone. Namasté, grand-mère. Bonjour, mon garçon. Ragbir, es-tu heureux, dis-moi? Tu sais, je n'ai pas envie de te mentir. Hé, Devraj, c'est le mariage de ton fils. Donc tu devrais faire du bénévolat, d'accord? Qu'est-ce que vous racontez, ma tante? C'est ce que fait mon cher beau-frère depuis ces 15 dernières années.
Namasté. Excuse-moi, vous êtes ici chez ma mère. Si quelqu'un a des droits sur cette maison, c'est sans aucun doute Devraj. Oui, et vous deux, pourquoi l'embêtez-vous, hein? S'il y a autant de monde ici, c'est à cause de vous. Quant à votre fille Priya, elle commence à prendre racine dans cette maison. Et Aditi, mais qu'est-ce que tu racontes juste? Pourquoi parle-t-elle ainsi? Je ne te permets pas de parler de Priya. C'est la vérité. Arrêtez, ça, ma fille. C'est vous qui ne devrez pas. On se calme, on se calme. On se fait un selfie. Priya, venez. Priya sera sur la photo aussi. Le selfie. Allez, allez, venez. Allez, venez. Aha. Oh, oh. Peu importe. Aha. Allez, souriez. Selfie. Phoolega dil jis din tumhe wo din zindagi ka aakhri. Allez, on y est presque. Inspire. Inspire, inspire. Et voilà. C'est magique. C'est pas magique. C'est tragique. Il m'a suffi de voir ton planning de régime pour perdre l'appétit. Correction, pas qu'un régime, mais un régime strict. De toute façon, je n'ai consommé ni eau ni sel ces 4 derniers jours. Quoi? Tu dois manger si tu ne veux pas t'évanouir lors des rituels. Attendez, attendez. Je viens de vous dire que je n'avais pas bu d'eau. Pas que je n'avais rien bu du tout, n'est-ce pas? Ne me regardez pas comme ça, car j'ai bu 2 shots de café pour rester éveillée. Pauvre Ragbir, il voulait épouser une jeune femme et non pas une squelette. Tu sais, les hommes aiment bien les femmes qui ont un peu de chair. Surtout les maris, Misha. Je ne sais pas ce que préfèrent les maris. Mais tous mes amis seront présents à mon mariage. Mes amis! Il y aura les médias. Et tu voudrais que j'ai l'air grosse? Aujourd'hui, je vais être sublime. Au point Ragbir vers la tête. Ragbir. Ragbir. Écoute, je sais bien que c'est très difficile, mais tu ne peux pas continuer à ressasser le passé. Aujourd'hui, c'est ton mariage. Allez, sois heureux, tu veux? Je comprends ce que tu ressens, mais si tu continues à faire la tête, que vont penser les gens, dis-moi? Que vont penser les gens? Tu sais, je suis quasiment certain qu'ils ne m'apprécieront pas. Mais c'est sûr à 200% que j'en ai rien à faire. Tu ne peux pas tout ignorer en disant « je m'en moque ». Et on n'efface pas un souvenir en disant simplement « oublie-le, mon frère ». Ce n'est pas si facile. Ragbir, tu pourrais au moins répondre quand je t'appelle. Tu sais combien d'invités t'attendent, hein? Malgré le fait qu'il n'ait pas précisé « et famille » sur sa carte. Il y a 636 invités. Ragbir, j'ai laissé les colliers de mariage dans ta chambre. Va en choisir un. Choisis celui qui plaira à Misha. Vas-y. Les gens disent que je devrais sourire. Mais s'ils savaient au moins ce que je traverse, ils n'arrêteraient pas de pleurer. Très bien. Tout ce que j'ai à faire, c'est de sourire. Pas dur. Allons-y maintenant. Souris. Tu sais ce qui m'a fait tomber amoureuse de toi ? C'est ce sourire mignon que tu as. Comme celui d'un enfant. Un sourire joyeux. Les gens disent toujours qu'une personne renaît à nouveau le jour de son mariage, mais... Mais pour moi, c'est comme si je me dirigeais vers ma mort. Trois ans, frérot. Ça fait longtemps. Avance, hein? Je l'aurais fait si ça avait été aussi simple. Mais je suis incapable de le faire. Tu devrais le dire au cheval, pas à moi. Le moment est arrivé maintenant. Au-delà de tout ce vacarme, il n'y a qu'une seule voix qui me vient à l'oreille. Celle de Bani. Tera vada, vos qasam, vos irada.
Allez, faites-les bouger, là, dépêchez-vous. Est-ce que vous avez une idée de qui est le marié? Ah oui, essayez de menacer un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Hein, c'est à cause de gens comme vous qu'on supprime les processions de mariage qui causent de la circulation. Sortez d'ici, allez, allez, hein. Certains ne cherchaient qu'à bloquer la route, alors que d'autres voulaient simplement danser. Mais je savais qu'il n'y avait personne qui pouvait changer la tournure des choses. Mes souvenirs non plus ne pourraient pas changer. Laissez-nous passer, nous avons une autorisation. C'est une autorisation pour quoi? Une autorisation pour cette procession que ton patron a donnée au mien et on écrit. Et si tu as fait le difficile, pas de repas pour toi pendant 4 jours. Et lorsque tu auras de l'acidité sur l'estomac, ne viens pas t'en plaindre avec moi. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu défends ces gosses de riches? Je suis désolée, papa. Mais essaie de comprendre, c'est mon premier boulot, j'ai dû me battre pour l'avoir. Et qui plus est, c'est le mariage de mon patron. Oui, mais tu te disputes avec ton père, pour quelqu'un que tu ne connais même pas. Non, pas avec mon père, avec un inspecteur de la route. Et je sais que Monsieur Rajbir ne me connaît pas, mais c'est normal. Car c'est le patron de mon patron, c'est le grand patron. Hé, hey, laissez-nous passer. D'accord, ma fille, qu'il s'en aille. Allez, venez. Bougez. Et oh, circulez. Allez, circulez, s'il vous plaît. Allez, faites allez, de la place. Allez. Ragatti, vous avez fait comment? C'était facile, il était gentil. Enfin bref, bravo. Si le grand patron est content de vous, votre confirmation et votre évaluation se feront en même temps. Continuez. Merci, monsieur. C'est excellent. Allez, avancez. Les éléments se déchaînent et mon cœur, lui, reste en peine. Il n'y a pas une femme sur cette planète qui pourrait entrer dans ma vie et me faire oublier ce passé. Je peux encore sentir sa présence autour de moi. Je sens encore sa présence dans ses rafales. Attention! Tout va bien. T'es un battant, n'est-ce pas? Est-ce que ça va, monsieur? Oui, ça va. Qui est-elle? Une employée, monsieur. Soyez la bienvenue. Bienvenue, Najib! Félicitations! On va enfin se marier. Je suis toute excitée. Toi? Misha, ma chérie. Encore un peu de patience. Tout d'abord, tu dois l'épouser, ma fille. Et ensuite, tu pourras l'embrasser autant que tu voudras, d'accord? Allez, venez, oui! Allez, on y va! J'aimerais que pour notre mariage, tu portes un costume traditionnel de couleur blanche. Tu seras très beau habillé en blanc. À chaque fois que tu te sentiras incompris par les gens autour de toi, ou que tu te sentiras complètement seul, alors tu n'auras qu'à fermer les yeux et penser à moi. Je connais ton cœur à la perfection, parce que notre amour est le genre d'amour que l'on appelle un amour inconditionnel. C'est un amour qui a un début, mais qui dure pour l'éternité. Tu pourras toujours me sentir auprès de toi. Même si je suis loin de toi, tu sentiras ma présence. Ragbir, comment est-ce que tu me trouves? Ragbir, comment est-ce que tu me trouves? Oh non, que
fait-elle ici? Allons-y, viens avec moi, allez. Madame, s'il vous plaît. Oh mon Dieu! Et cette femme est Sukanya Rai Singhania. C'est la fille de l'homme d'affaires le plus riche du Royaume-Uni. Mais tout le monde pensait qu'elle était à Londres. Cela fait 2 ans qu'elle est partie. Mais sincèrement, je doute fort qu'elle soit sur la liste des invités. Sukanya Rai Singhania? Elle est venue assister à notre mariage? Je n'arrive pas à le croire. Notre photo sera en première page dans les journaux. Première page? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ces deux-là avaient une liaison ou quoi? Je n'en sais rien, mais il y a certainement quelque chose. Sinon, pourquoi cette célébrité fondrait-elle en larmes à son mariage? Hé, hey, Sukanya, je suis Siddharth. On s'est rencontrés à Londres. Qu'est-ce que tu fais ici? En fait, je ne sais pas pourquoi je suis venue. Je devrais m'en aller maintenant. Excusez-moi. Excusez-moi, on se connaît? Hein? Je veux dire, est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Eh bien, il semble qu'ils ne se connaissent pas tous les deux. On dirait. Mais pourquoi une femme viendrait-elle au mariage d'un inconnu et fondrait en larmes? Tout ce présent ici semble croire que nous nous connaissons et que vous étiez en train de pleurer à cause de moi, madame. Et ce n'est pas le cas, dis-moi. Non, comment serait-ce possible? Non, pas du tout. Comment peux-tu me connaître si on ne s'est jamais rencontrés? Je devrais m'en aller. Non, attendez. C'est vrai que je vous connais pas et qu'on s'est jamais rencontrés avant. Ça suffit. J'en ai assez. Tout ceci n'est qu'une plaisanterie pour toi. Tu es en train de te moquer de nous. Je ferais mieux de partir. Une minute. Je ne la connais pas, d'accord? On ne s'est jamais rencontrés avant. Je n'ai jamais aimé qu'une seule femme de toute ma vie et cette femme s'appelait Bani. Après la mort de Bani, d'autres femmes sont venues dans ma vie, mais je ne connais pas cette femme. Après sa mort, c'est vrai que je suis allé à Londres, mais c'est faux, je ne l'ai jamais rencontrée. Qui êtes-vous? Je n'en peux plus. Je ne peux plus le supporter. C'est la fille de Monsieur Singhania. Pourquoi mentirait-elle? Je pense qu'il y a eu définitivement quelque chose entre eux. Sukanya, est-ce que ça va aller? Ragbir m'a oublié. Ragbir ne sait... Comment peut-il m'oublier? Bani, reviens! Mais qu'est-ce que tu fais, Bani? Sukanya? J'adore Bani. Mais je t'aime aussi. Pour une seconde, je me suis demandé ce qui se passerait si tu tombais aussi. J'étais tellement amoureux de Bani. Ensuite, lorsque je t'ai rencontré, je suis tombé fou amoureux de toi. Nous nous sommes rencontrés après la mort de Bani. Et c'était vraiment... vraiment le coup de foudre. Oublié? Mais qu'est-ce que ça veut? Mais qui est cette femme? Je ne la connais pas! Après le décès de Bani, il n'y a eu aucune autre femme dans ma vie. C'est vrai que je suis allé à Londres, mais je jure que je n'ai jamais rencontré cette personne-là. Mais d'où est-ce qu'elle... Qui est-ce? Je ne connais pas cette femme! Cette femme pleurait et disait qu'elle connaissait Ragbir. Et Ragbir jure qu'il n'y a jamais eu d'autre femme dans sa vie, après la mort de Bani. Reste à savoir qui dit la vérité. Que se passe-t-il? Ragbir, il se pourrait que tu l'aies oublié, hein? Je suis Gajini. Il y a 2 ans que je me suis marié. Et un jour, j'ai reçu un petit coup à la tête. Et j'ai tout oublié. Super scénario. Je ne suis pas mort.
Je sais, mais tu as passé 2 ans à Londres et pendant ce temps, tu ne m'as pas appelé une seule fois. C'est parce que ma maison... Écoute, je ne la connais pas. Mais pour quelle raison cette fille aurait-elle menti? Oui, pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Demande-le-lui. Ragbir, tu veux bien être sérieux, juste une minute. Que pourrait bien vouloir cette femme? Pour quelle raison d'ailleurs? Et pourquoi en a-t-elle après moi? À mon avis, elle devait avoir un petit ami qui avait sans doute la même belle gueule que moi. Et c'est pourquoi elle me court après. Eh bien, Ragbir, je sais bien que tu es beau gosse, mais ton sosie à Lajpat Nagar? Oui, mais pas à Londres. Et cette Soukou? Soukou. Oui, elle. Tu as vu à quoi elle ressemble? Elle est si jolie. Tiens, regarde, Ragbir, c'est sa photo de profil en ligne. 500 000 vues. Lorsqu'elle a publié cette photo, les hommes n'arrêtaient pas de lui faire la cour. Oh, nos actions dégringolent. Allez, allumez tout de suite la télé. Aux dernières nouvelles aujourd'hui, Sukanya Raisinghania, la fille de l'homme d'affaires le plus riche du Royaume-Uni, Vivek Raisinghania, a déclaré qu'elle avait une relation très proche avec l'hôtelier indien Ragbir Malhotra il y a quelques années de cela. Et selon Mademoiselle Singhania, ils se seraient rencontrés à Londres il y a 2 ans. Suite à cette nouvelle, le mariage de Monsieur Ragbir et Misha Oberoi, qui devait avoir lieu aujourd'hui, a été annulé. Bien ma que parole, quel genre d'homme est-il? Il est en train de ruiner la vie de 2 jeunes femmes. Le mieux aurait été d'arrêter son cortège. On aurait pu éviter tout ça. Et toi qui disais, c'est mon patron, comment peux-tu travailler pour ce genre de personnes? Ils se croient tout permis avec leur argent sale. Pas comme celle-là. Quoi? Comme ta chaussure. Voilà, elles sont toutes propres. Oh, ton repas. Écoute, papa, surtout évite de manger hors de la maison. Sinon... Oui, je sais. Je vais me faire remonter les bretelles si je mange dehors. Bien. Écoute, papa, il faut que j'aille d'urgence au bureau. Alors j'y vais. Mais, chérie, n'y va pas. C'est un immense bureau et il n'y a personne d'autre là-bas. Est-ce que tu n'as pas peur? Je n'ai pas de raison d'avoir peur. Tu sais pourquoi? Parce que mon père est agent de police. Qui est-ce qui aurait le cran de provoquer un policier? Mon père ne tirerait-il pas sur quelqu'un qui oserait ne serait-ce que me regarder de travers? Tout à fait. Alors, ne t'inquiète pas, il faut que j'y aille. Salut! Au revoir. Oh! Pragati! Reviens! Non, ne... Ma parole, cette fille n'en fait toujours qu'à sa tête. Elle m'embrouille les idées et puis ensuite, elle disparaît. Son patron... Je ne peux vraiment pas supporter cet homme. C'est quoi son nom déjà? Ragbir. Ça alors, je suis vraiment célèbre. C'est un mensonge. Voyons, Ragbir, pourquoi mentirait-elle? Oublie donc ça. Tu n'es même pas l'homme le plus fortuné de ce pays. Et elle, c'est la femme la plus riche de l'Inde, la plus riche. Quelqu'un alors... veut bien lui expliquer? Et cette femme est très riche. Dis, Misha. Misha, tu veux bien lui dire à quel point cette femme est riche, hein? Une maison Ragbir. De Ragbir. Où est-ce que tu Ragbir. Vas maintenant, Ragbir. Attends, Ragbir. Ne pars pas. Attends, je t'en prie. Parce que Soukou est là-bas. Pas Soukou, Ragbir, mais tous les journalistes là-bas. Ragbir. Et qu'est-ce que ça peut me faire? D'où provient cette musique? Mais qui a mis cette chanson à jouer, bon sang?